Hey, 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 cucu, mes petits culs, et bienvenue pour cette nouvelle mission, et peut-être sûrement dernière mission de Crooks, The Big Heist. Ça y est, alors la dernière fois, on avait fini la mission 16, nous voilà la mission 17, OPPP, la base secrète de Murray. Le laser de Murray est opérationnel, et il vous reconnaîtra dès que vous aurez échangé la pierre de lune avec le cœur de rubis des Kitty Horn. La seule issue est de continuer à avancer en traversant toute la base. Si vous êtes assez rapide, l'USS Blowfish vous évacuera avant que le laser ne fasse sauter toute l'installation. Difficulté du cas 5 sur 5. OMG, allez, on est parti. À quelle sauce je vais te bouffer? J'ai peur, les enfants, j'ai très très peur. On Allez, a environ hop. Une heure avant d'atteindre la base de Murray. Oh mon dieu, non, c'est on pas chronométré. Les deux autres restent dans le sous-marin avec le moteur qui tourne. On parvient jusqu'au laser de Murray et on remplace la pierre de lune par le cœur en rubis de Kitia. Ça fera surchauffer le laser qui détruira toute la base dans les minutes qui suivent. Entre ah ouais. Il faudra trouver un moyen de détourner l'attention de Murray. Il ne doit pas s'apercevoir qu'on a interverti les pierres. Quand bien même il aurait anticipé nos plans, il ne s'attend pas à ce qu'on réussisse à déjouer tous ces systèmes de sécurité. Et c'est justement ce qu'on va faire. Traverser toute sa base de part en part. Oh là là, juste ça va être long. Juste à côté de ses quartiers privés, il y a un deuxième quai. C'est là que l'USS Blowfish nous récupérera. À condition d'y arriver avant que la base explose. Putain, mais ils font peur les gardes là, ils ont une espèce d'œil unique de cyclope. On entrera par ce bassin. On appelle ça un moon pool. De là, on passe par les sas. Ok. Il y a pas mal de trucs utiles dans ces réserves. Je ne mangerais pas de pain d'y jeter un œil. Oh là 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 là. Le laser de Murray se trouve au centre de cette partie de la base. Ok. Il est alimenté par deux générateurs. On ne peut couper l'alimentation que temporairement. Il faudrait trop de temps pour l'éteindre complètement. D'accord. En plus, la pierre de lune est maintenue en position dans le laser par trois dalles de sol. Mais oui, donc il faut être à trois dessus. Voilà. Minuterie et les dalles de sol pour couper le courant. Et c'est alors seulement qu'on pourra remplacer la pierre de lune par le cœur en rubis. À partir de là, aïe, le aïe, temps aïe, nous aïe. Sera compté. Aïe, il y aura aïe, quelques aïe, minutes aïe. Avant que le laser surchauffe et détruise tout. À ce stade, Murray aura remarqué notre présence. Ce sera le moment de l'asticoter un peu pour qu'il nous prenne en chasse. C'est là que tout se joue. Le Blowfish appareil, toujours invisible grâce à l'IEM, pendant qu'on fausse compagnie à Murray dans la base. Le tout aussi vite que possible. Bah oui! C'est ça mon simple! Oh mon dieu, il y a encore un deuxième truc. Oh non, mais sérieux. En gros, ce qu'on a à faire, c'est tout simplement traverser un long couloir. Ouais. Heureusement, la première porte du SAS restera ouverte à notre arrivée. Il faudra accéder aux salles de contrôle au milieu, de chaque côté du couloir principal. Ne vous faites pas d'illusions, ce sera plus difficile qu'il n'y paraît. Ah bah ouais. Surtout celle de gauche. Du coup, mieux vaut commencer par la droite. Comme ça, la gauche sera plus facile à négocier ensuite. Pfff, ça va être dur. Ah, il y a trois. Les quartiers d'habitation. Des chambres, un gymnase, plutôt impressionnant, surtout pour une station sous-marine. Il y a un verrouillage centralisé contrôlé par quatre dalles de sol. Oh là là. Il faut toutes les déclencher simultanément, sans quoi, pas moyen d'avancer. Oh, quel petit poisson, c'est choupiné. Et il y en a quatre, allez. Pour atteindre le deuxième moon pool. Entre la salle de conférence et celle des trophées, il doit y avoir des objets de valeur dans le coin. Je suis incapable de retenir surtout, là. Gaffe au chrono. Quand la base explosera, tout sera détruit. Y compris le Blowfish. Les principaux obstacles, ce sont les portes au centre de cette section de la base. Pour toutes les ouvrir, il faudra que trois d'entre nous activent les dalles du sol. C'est seulement après que le quatrième pourra alors passer la porte principale et la garder ouverte de l'intérieur. Ce sera pas une mince affaire avec tous les gardes dans le coin. Oh là 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 là. Comme d'hab, quoi. Ensuite, il faudra se manier de rejoindre le deuxième moon pool où nous attendra le sous-marin. Et là, on se tire.
Alors, les escrocs, vous êtes parés à agir ? Non, pas du tout. Oh my god. Mais ça va être horrible, je suis pas du tout préparée à ce truc-là. Il y a 4 niveaux dans la même mission. Regardez-moi tout ça, ça c'est que le premier, hein. C'est joli, hein, ça fait une durée une fleur. Mais il y a des 10 millions de trucs à activer, à faire et tout, là. Je suis loin d'être la meilleure, hein. Enfin, je m'en sors, mais... Ah, il y a des blocs portes. Il y a des poètes. Et ça, c'est... Porte piégée. Ah, c'est pas mal. Il y a pas mal de choses. Il y a pas mal de choses qui nous offrent. Pour jeter cela. Voilà, nous, on commence là. Porte d'acier. Ah d'accord, déjà celle-là, il pourra même pas l'ouvrir, Bishop. C'est cool. Ah non, mais j'ai envie de dire, ça commence très bien, en fait. Ça commence très bien, c'est compliqué. Bon, écoutez, moi, de toute façon, je vais checker ce que je peux faire pour faire mon équipe et leur atelier. Donc, voilà. Je pense que je vais faire un petit peu de l'inspection. Voilà. Ok. Ok, je pense que j'ai fait mon choix. J'ai donc pris la même équipe que la dernière fois. Bishop, Rufus, Lobkowitz, c'est Croquette. Parce qu'il y a quelques petites entrées, voilà, de conduits d'aération qui pourraient être à peu près sympathiques pour... ouais, j'allais dire même pour coincer un mec, mais il y a encore... Ouais. Bon bref, il y a des trucs qui pourraient être intéressants. Je ne prends pas Cléopatra, ce qui est dommage, j'aurais bien aimé vouloir en gérer 5, mais bon, c'est comme ça. Le jeu ne veut pas qu'on gère 5, en même temps il y avait 4 carrés, une couleur de plus, on était pas normal. Donc voilà, je les ai un peu équipés, j'ai laissé quelques blancs. J'ai pris bien sûr des trucs qui détruisent les destructeurs. Qui détruit les lasers et tout ça. J'ai pris des aimants parce que je vais forcément avoir des fails et que je vais me faire repérer une ou deux fois, peut-être, je ne sais pas encore. Enfin, une ou deux fois, c'est positif, hein. On va dire 15 fois, on va faire un forfait de 15 et puis on verra. Puis de toute façon, je suis pas à l'abri de refaire la mission à un moment donné. C'est la dernière, donc de toute façon, on va essayer d'y aller tranquillement, quoi. Alors. On a poli le rubis de façon à ce qu'un laser qui le traverse cause un maximum de dégâts aux environs immédiats. Rappelez-moi pourquoi il faut utiliser le cœur en rubis. On peut pas juste bloquer le laser avec un chewing-gum et mettre les voiles. Pareil, la chaleur sera tellement intense qu'elle soudra la pierre dans le laser, ce qui le rendra inutilisable. Ah. Vu que ces générateurs sont alimentés par des barres d'uranium, Murray ne pourra pas les désactiver assez vite pour éviter la fusion. Lobkowitz. Interverti les pierres, Frangine. C'est pas le moment de jacasser. Pardon. C'est bon? Alors, première chose, ici, c'est un tableau de district, donc c'est à Lobkowitz de faire quelque chose. On peut pas aller par là, hein. On est obligé d'aller d'avancer par là. Ah, d'accord, une porte comme ça. Normalement, la porte d'acier, il les ouvre, hein. Parce qu'en fait, ils disent... ni la compétence crochetage des portes verrouillées ne le permet. Le problème, c'est que quand moi je le sélectionne, il me dit bien Bishop peut forcer les portes d'acier sans utiliser d'outils. Donc celle-ci. Parce que c'est bien une porte d'acier. Donc normalement, il ne devrait pas avoir de problème. Donc s'il y a un problème, ben je gueule. Voilà, c'est tout. Oui. Tu vas venir là. En avant. Bien sûr, sans vous électrocuter, ce serait dommage. Ok. Serrure accrochetée. Ok. C'est parti. Salut. Ouais. Voilà. Pour l'instant, tout roule. J'ai pas pris les trucs exprès parce qu'on a Bishop, je sais qu'il peut déconnecter tout ça. Donc là, il y a une caméra, il y a des choses à aller choper, mais c'est pas le plus important. Je veux dire, le chalumeau, c'est pour ouvrir des coffres, mais Bishop peut le faire. Ça, lui, c'est parce que si on a un interrupteur lourd, à actionner, mais on a machin. Normalement, on a nos mecs, donc c'est au cas où on n'aurait pas pris les bons. Enfin, après, je sais pas si c'est les bons, mais. Ouais, ouais. Il va y avoir du taf. Hop. Et maintenant. Toi, interrupteur lourd. Oh bah écoute, toi tu vas aller là. Vous allez bosser un petit peu quand même. Hein. Voilà, il y a chacun fait quelque chose.
lui. Ok. Donc là, normalement, c'est bon. Enfin, c'est bon. Dans le sens où on pourrait passer. Apparemment, il faut actionner ici. Ah ouais, puis une fois qu'on est à l'intérieur, on actionne. D'accord. Je vois très bien. Faut rentrer là, maintenant. C'est quoi le topo ? Oh, PPP. Je sais pas, vous allez tous venir. Je vais faire... Ah, c'est Rufus qui va venir les mettre par terre, mais bon. Il résiste aux écho-forts, mais pas au point de fer. Donc, le truc, c'est qu'il faut le choper au bon moment, quoi. Genre maintenant, on va tenter. Prêt à en découdre. Tu peux aller tout de suite choper l'autre. Ouais. Oh, ça fonctionne. Oh, alors, il y a quoi à faire ici? Interrupteur lourd et interrupteur à bascule. Salut. Tu peux venir là. Je suis là. Et maintenant? Tu peux aller faire ça, s'il te plaît. Je sais pas ce que ça fait, ça. Oh, c'était pas indispensable. Tout va bien? Tout va bien, ouais. Tout va bien, je vous avoue, je suis un petit peu stressé. Vite. Ok. Oui. Ça va. Tu t'es fait avoir en beauté. Normalement, c'est bon. Il est en train d'aider son pote qui était aussi par terre, mais normalement là, c'est bon. On a ouvert la porte là. Donc on a un garde qui peut nous voir. Et ici, ouais, aussi. Bon, ok, d'accord. Ça, c'est pour... C'est pour fermer... Ok, d'accord. Ok, ouais, je sais pas. Alors voilà, maintenant, moi, je suis arrivée ici. Je ne sais pas ce que je dois faire. Hein. On va les faire venir là, du moins. Bien sûr. Je sais pas, tu vas peut-être pas trop t'avancer. C'est quoi le topo? C'est que vous ne vous fassiez pas prendre en fait. Salut. Tu vas venir là. Ouais. Toi, tu vas reculer. J'ai peur, moi. Oui. J'ai peur qu'il se fasse voir. Loco, ouais. Tu vas venir là. Ouais, avec le faisceau, bon là. Ah, il pourrait les voir. Hein. Il pourrait les voir. C'est un peu dangereux. Tant que j'évalue un peu. Faut que je reprenne la patrouille. Oh, vous avez vu? Ça va barder. Je vous ai dit. Donc eux aussi, ça va être tendu. Une serrure accrochée. Ça va être tout juste. Hein. Ouais, ça va. Ça va. Je les aurais avancés ici, j'étais grillé. Il y a quand même temps que je m'habitue à ce jeu et à leur technique. Bon, je vais par où? Ici, j'avais un truc. Ouais, après, il faudrait défaire la cam. Mais lui, il est assez rapide, en fait. Donc, c'est chiant. C'est très chiant. Mais on peut aller là. Faudrait que je fasse avancer Lobkowitz. C'est quoi ça? C'est pour fermer et ouvrir, ok. Et ici... Il y a une piscine! Il y a un bloc-porte, ça c'est intéressant. Pour essayer de bloquer un mec. Par exemple... Bah lui, ce serait intéressant, il est tout seul. À gérer, c'est plus facile. Quand il est ici, on le bloque. Bah, j'envoie elle. Elle y va. Elle y va, roquette, elle passe par là et tout. Elle fait ce qu'elle doit faire. Tableau de distribution, bah, elle a une fourche. Donc, ça va. Ou l'opco, hein. Et en fait... Ah, il y a des sous aussi. Il faudrait que je le bloque, mais... Donc,
que je la tire là, mais j'ai pas pris de poète-poète. Les poète-poète, il y en avait de l'autre côté, je crois. Il y en a ici. Ouais. Je pourrais les attirer dans une pièce. Genre ces deux-là, dans cette pièce-là, ce serait cool. Ici, il n'y a pas de... Zut. Il n'y a pas de conduit d'aération, pourquoi? Bon, du coup, ça me stresse. Je vais attaquer lui parce qu'il est tout seul. Je vais prendre le Covid. Je vais lui dire de venir là. Ok. Ok. Du moins, tu peux venir là. Parce qu'en fait, il va aller déconnecter la caméra. Ouais, mais il y en a plus une en face, je suis pas sûre. Ouais, il va se faire choper. Ok, c'est pas le bon exemple. Vous allez voir comme je suis souple. Faut que je reprenne ma patrouille. Ben, il devait déjà la reprendre, sa patrouille. C'est lui ? Ben, d'accord. Normalement, ils se font pas voir, là. Oh ! Ok. Toi, tu vas passer là. Ah mais ça, oui, on s'en fout. Enfin, c'est pas quand je m'en fous. Mais tu peux venir là. Venir là. Et venir là. Oh, déstress. Je peux pas faire ça. Ah, j'avais pas fait attention, c'est une porte d'acier. Ah bon. Zut. Mes plans sont déjà pourris, les enfants. La clé, elle était là, mais je peux pas y retourner. Et Lobkowitz, bah tant pis, j'ai déjà grillé ma truc. Bon. S'il me paraissait plus facile à cerner, lui. Déjà, j'ai pas de poète-poète. J'ai des poète-poète là. Je sais pas s'il va avoir le temps. C'est parti. Au pire, tu fermes ça, comme ça on est tranquille. Merde. Je vous ai dit que je me faisais avoir à chaque fois. C'est pas vrai. Qui a fait ça? Oh, je vous en veux. Bon, bah écoutez, on va se trouver ici. Elle est un peu coincée là, du coup. Qu'est-ce que j'ai foutu, bon sang? Bon. Elle arrivera à s'en sortir. Non, je la laisse pas tomber, voyons. Mais non, rien à voir. J'attends que lui, il est fini. Ok. Ouais, ouais. Ok. Parce que là... J'aurai jamais le temps. Ouais, c'est chaud, hein. Je suis prêt. Parce que bon... Bien. Je sais pas s'il va avoir le temps. Non,
toi. Ouais, voilà. Où es-tu? Oh, le jeu. Yé, ça manque de planter, mais bon, c'est pas grave, j'ai perdu, hein. Je préfère me faire choper et de recommencer. T'es qui, toi? Voilà. Tu vas t'en mordre les doigts. Je sais. Je sais, je sais, je sais. Allez, on recommence. J'avais pris un forfait 15, hein, c'est le premier. Ah non, l'angoisse, franchement. Bon alors il est gentil mais il me recharge là. Ça va pas être possible. Ok, très bien. On va recharger une autre. Bon, finalement, j'ai un peu triché. Je suis revenue sur mes papas. Oui, sur mes papas, oui. Voilà. Je vais essayer de sortir la petite avant. Lui, je vais pas lui faire fermer la porte tout de suite. Je vais attendre. On va faire venir la petite là. Là, on est bien. Il faudrait que j'avance. Mais en fait, non. Ok. Là, tu peux venir là. Ok. Et tu peux actionner ça et on sera tranquille. Voilà, ça c'est fait. Ah, tu vas venir là. Parce qu'on a lui. Oui, parce que même si dans un couloir bien éclairé, il ne les verra pas. Ok. Bien reçu. Toi, tu vas venir là. Qui c'est qui va... J'avais dit qu'il allait venir. Faudra ouvrir. Au travail. Ramener Bishop. Ouais, je peux peut-être essayer de les coincer là, les deux. Ce serait une bonne idée. En avant. Attends, cocotte, t'es trop. Là, on va réessayer avec Lobkowitz, hein. C'est le début, hein. En même temps, je connais pas la map et tout. Là, c'est vraiment dès qu'il tourne le dos. Hop, hop. On devrait largement avoir le temps. C'est bon. On n'a plus de caméra dans ce coin. Ouais, le souci, ça va être... Il faudrait que j'arrive ici.
récupérer tout ça. Je suis pas sûr qu'il ait le temps. Là. Surtout qu'il y a le mec qui est là, hein, donc. S'il est en train de crocheter pendant que l'autre il est en train de sortir, je vous raconte pas quoi. Là il va où lui? Justement il sort. Mais comment voulez-vous? Mais Bishop il pourra jamais y aller. Moi qu'il aille là. Je sais pas du tout ce que je suis en train de faire. Mais bon. Lui il est là. Pour l'instant il sert pas. Est-ce que je peux le... Ah il résiste pas au point de fer. Moi je peux le foutre par terre en fait. Pourquoi je me stresse? J'ai qu'à ramener Rufus. Il est là mon petit Rufus. Et des fois, je me complique la life pour rien. Parce que bon, là, clairement, je peux l'assommer, donc... Et lui? Ah, lui, non, par contre. Lui, il est beaucoup plus dangereux. Mais une fois que lui sera à terre, moi, je pourrais faire mes trucs, rentrer ici, choper ce qu'il faut, l'attirer là, ou le juste quand il est dans sa tour de... dans sa ronde, là. Après, il part comme ça, c'est quand il revient là que c'est dangereux. Ouais. Bon, on va essayer. Hein. On va essayer. On va essayer de faire ça dans le bon sens. Ou est-ce que je laisse un tour? Est-ce que je laisse faire un tour de... C'est vraiment au moment où il sort qu'il vient là que j'ai le plus de temps pour faire ce que je dois faire. C'est-à-dire assommer lui, déverrouiller ça, faire rentrer l'un des protagonistes, voire deux, pour aller choper les deux blocs-portes quand même. Et après le bloquer ici, comme ça on sera tranquille. Ouais, que je l'assomme deux fois celui-là. Écoutez, j'ai envie de tester maintenant et puis on verra. Oh là là, le jeu! Non mais ça sert à rien. Et maintenant. Ils vont se faire choper. Parce que lui il est. Vous voyez? Lui il est par terre. Mais ils m'ont pas vu. Mais il voit à travers les portes lui. Non mais à un moment donné ça m'exaspère parce que c'est n'importe quoi. Allez le jeu. Pas la peine de planter. Tu vas lui redonner un coup. Vous allez voir comme je suis souple. Toi tu vas venir là. Mais ouvre la porte. J'avais oublié de lui dire d'ouvrir la porte. Ok. Quoi? Ah ouais, il est déjà fou. Oh merde. Technicos pareil. Une serrure accrochetée. Une bar mitzvah. Ouais, ouais. À organiser? Je veux. Je suis prêt. C'est bon. Allez.
Il voit pas que son pote est par terre, ça me fait trop rire en fait. Alors, ça va être long parce que... là, ils vont attendre ici. C'est parti. Le temps qu'ils viennent... Juste après, il vient là, hein, de toute façon. Putain, mais le jeu qui rame, quoi. Pourquoi ? Ok, toi, tu peux lui redonner un coup. Voilà. Technicos pareil. On fait quoi maintenant? Ok. Salut. Bien reçu. Je vais faire sortir l'Obkovitz. Par où, j'en sais rien. Il y a ça aussi. Il active, désactive quoi? Ouais, ce serait intéressant. Mais ça, je vais le faire après. De toute façon. Mais c'est pas ce que je voulais faire. Mince. Je vais y arriver. Hein. Non. Donc l'Obkovitz, je vais te faire sortir là. Toi. À toi aussi. Ça va barder. Il est où le gars? Ah c'est bon, il est encore là. Au moment où il quitte son poste là-bas, je fais partir... N'inquiétez pas, je gère. Et elle, je la prépare. Et maintenant. Ce jeu qui rame sans arrêt. Mais qu'est-ce qu'elle fout à travers la porte, cette idiote? Tu vas le refrapper. Toi, tu sors. Je vais aller voir. Et là, elle va le coincer. Prêt à en découdre. Et normalement, on est tranquille. Donc, on a un interrupteur lourd, donc il faudra l'envoyer lui. Tu peux... Non. Alors, toi, si tu veux, tu prends ça. Toi, tu vas activer ça. Après, tu prendras un pouet-pouet et tu vas redonner un coup à lui parce que... Vous allez voir comme je suis souple. Ouais, on le voit super bien. c'est complexe. Je crois que c'est tout, hein. Mais non. Je sais pas comment je fais pour enlever ça. Attends. Merde! Merde! J'avais pas vu! Tu vas bien? C'est quoi le topo? C'est qui toi? Ah non! Mais pourquoi? Oh, je m'épuise! Vous savez même pas à quel point. Et si tu m'énerves toi, pourquoi je t'ai. C'est bon, j'ai plus envie de te savoir allumer. Voilà, merci. Voilà, oh, tout ça pour ça. Ok, j'ai merdé. Je vais charger juste là où j'étais parce que j'avais pas vu qu'il avait mis
Oui, ça devrait être bon, ça. Désolé, hein. C'est pour de la triche, mais bon, un petit peu quand même, j'avoue. Parce que, ouais, mais bon, l'essentiel, c'est d'avancer. Si j'avance pas, bah, je reste 10 ans sur la même mission. Oui. C'est bientôt fini, donc... Ok, ça, c'est bien. Je vais remettre les infos. Parce que sans ça, c'est la mort. Ouais, ouais, ouais. Je veux... au travail. Comme il se réveille. Ouais. Ok. Je sais pas où je vais, donc parce que du coup je retourne là. Est-ce que je vais ici, que j'ai pas encore sculpté la chose. Pas mal de choses à faire ici, hein. Oh là là là. Faut pas être en sécurité 5 minutes, hein. Parce que je pense qu'une fois qu'on a terminé un truc, on est censé fermer et puis partir, quoi. Mais je sais pas dans quel sens je dois aller. De toute façon, je dois aller là. Donc, qu'importe le sens dans lequel je vais. Oh, il y en a, ils ont des tours de garde, laisse tomber. Hein. Mais bon. Oui, lui, il serait facile à avec un petit bloc porte, on est tranquille, hein. Bon, ouais. Et ceux-là? Ah, c'en est qu'un seul qui est ici. Lui, il faudrait vraiment l'attirer quelque part. Voilà. Bon, j'y suis pas, de toute façon. C'est complexe, confus dans ma tête, je ne sais pas... Oui, le mieux, ce serait que je continue à avancer, en fait. Ok, bon, on va faire ça. Hein. C'est parti. Oui. Et hop, vous venez tous là. Technicos, pareil. Vous allez voir comme... Je pense qu'on sera bien. Une serrure à crocheter. Merde, il est trop rapide. Ouvre. Ça marchera pas. Ouais. Faut que je reprenne la patrouille. C'est bon, on est petit à safe. On est petit à safe, je dis de la merde. On est assez ici. Je pense que je vais m'arrêter là pour cet épisode en tout cas. C'est complexe. C'est super complexe. J'ai un peu de mal à réfléchir. Après, quand on connaît une mission, on a plus tendance à se la pré... Voilà, donc c'est une nouvelle, c'est la dernière. Elle est très compliquée, elle est 5 sur 5, donc voilà. En tout cas, moi, je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici. Je vous souhaite eh bien, bon dimanche, bon courage pour tout. Des gros bisous, à très bientôt pour la suite de Crooks of the Guys ou d'autres choses sur ma chaîne. Salut.